Zohar Parasha Mishpatim le Yom Revi. Zakeninu Israël, Mikol Amin, le Mareon, Kara Alehu, Becha Bacha Hashem, Yot Lo Leham Segula, Otsiv Kiyam Kadosh Ata Hashem Lokicha, Manim Atem Hashem Lokichem, Begomer. Il est heureux, Ebne Israël, à travers les peuples, que Hashem les a choisis parmi tous les peuples et qu'il les a appelés. Toi, Hachem a choisi parmi tous les peuples, et qui est aussi écrit, tu es un peuple sanctifié, et des enfants, vous êtes à Hachem, etc. Tarazé Bejata d'Israël, laïf takashiro vdaïou maketiv. Et regarde, quand Israël ne font pas des actes positifs ou n'agissent pas comme ils devraient agir, Amin Oksha me Olev et Nashi Bashelubo. Il dit, il y a des choses négatives qui leur amènent, c'est-à-dire la Sitra Akhra, la force négative commence à prendre la force et les attaque. Bashelubo Daika. Et il les impurifie. Veaokimuna, Mile Veraza, des Sifra, des Shlomo Malka. Et nous avons appris ça dans le secret du livre de Shlomo Meler. Veachi Shkachach Be. Et nous avons trouvé qu'il est écrit tout Ashkachan, de Cholman, de Achil, Hamechala, d'Itchabar, Kachada. Et nous avons trouvé donc dans ce livre de Shlomo Meler que tout celui qui mange les mélanges interdits, donc ça veut dire du lait avec de la viande qui ont été cuits ensemble, ou Beshavta Chada, ou un après l'autre, ou Beshavta Chada, ou dans la même Seuda. Hein? Au Béchirom de Seroda, mais que donc que les 6 heures n'ont pas été respectées. À Marin Yomi, Trazia Gardia Mikusla Bekalpoy, il dit pendant 40 jours, il y a comme un genre de guédi, un petit veau, si on veut, un petit veau, qui est attaché avec les clipotes. Et Gabé Inou de la Hela. Et donc, il attrapé avec toutes ces clipotes, donc ces écorces négatives. Et Zira, Mesahava, Metakerevin, Meade. Et toutes les autres impuretés viennent et s'approchent de ce petit guédi-là, petit veau. Et Gare, Meatara, Dinin, Mealma, Dinin, de la Kadishin. Et à cause de ça, il y a des dinim, des rigueurs qui sont réveillées dans le monde. Et donc, si il donne naissance à quelqu'un, c'est-à-dire cet homme-là qui a mangé de ces mélanges interdits, et que pendant ces 40 jours, pendant ces jours-là, il a un enfant qui naît, hein, il dit, on pourrait lui amener une neshama du côté négatif. Voilà. Et au Kitiv, qui d'achetem veitem kedoshim et gomer. Il dit, Atel istahava mesahavin le vadai. Il dit, c'est écrit, celui qui vient se sanctifier, on l'aide à se sanctifier. Celui qui vient pour se purifier, on l'impurifie. Yertiv, minit metemba aser alef. Et ça ouva atima mikola. Il dit, c'est écrit que vous allez vous impurifier, il manque dans minit metem, il manque le alef. Il dit, on comprend par quoi. Il dit que c'est une des touma les plus fortes qu'il y a, c'est-à-dire cette touma de ces mélanges interdits entre le lait et la viande qui sont cuits ensemble, ou le lait qui est pris juste après la viande. Hein? Il dit que c'est quelque chose qui est une touma, une impureté très 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 forte. Et donc il ne peut pas se purifier comme les autres impuretés, ça prend beaucoup plus. Il faut comprendre que il y a un secret spirituel. C'est pas le mélange dans l'estomac, puisqu'on peut prendre du lait et même manger de la viande après et ne pas attendre, juste attendre quelques secondes. Et donc, à l'intérieur de l'estomac, il peut avoir ce mélange. Il y a quelque chose de très spécial, le fait de renverser l'ordre.
c'est-à-dire de manger la viande et après le lait. On voit que ça attire une grande impureté. Donc ça n'a rien à voir d'un point de vue physique, puisque physique, dans l'estomac, je peux boire du lait et manger de la viande. Dans mon estomac, ils vont être mélangés, mais c'est pas pareil. Et tout, les mistafé, et non seulement ça, mais avec cette impureté, qu'est-ce que lui amène? Il lui amène la peur des animaux. Ça veut dire tout d'un coup, il a cette peur-là, comme on avait appris. Parce que là, comme on a dit, ce petit guédi, ce petit veau, lui, il a cette apparence-là. C'est-à-dire tous les animaux qui le voient. Alors qu'est-ce qu'il voit en lui? Il ne voit pas la face d'un homme. Il voit ce petit veau. Hein? Ils veulent donc le dévorer. Parce qu'il n'a plus cette figure de l'homme. Elle a disparu. Il dit, mais qu'est-ce qu'on dit à propos du poulet avec le lait, hein? Parce qu'on sait que dans la Torah, c'est écrit Bassar Behema, la viande, hein? Mais c'est pas écrit pour le poulet. Amar Rabbi Shimon, Asir Lach. Rabbi Shimon dit non, c'est interdit. Il dit parce que c'est interdit pour l'homme de ne pas donner quelque chose, une ouverture à toutes ces forces négatives. L'air lecha amrin. C'est comme par exemple le nazir qui n'a pas le droit de manger des raisins ou de boire du vin. Alors s'il s'approche de la vigne, on lui dit éloigne-toi, va-t'en d'ici. Il dit parce que tu ne dois pas t'approcher de ça. Et c'est certain que c'est interdit, même si c'est une khumra. Parce que, une des raisons, c'est parce que le poulet aussi a besoin de faire une shrita. Donc c'est pour ça que c'est comparable. Et pour cela, donc le poisson ne rentre pas dans les mélanges interdits. Lors du sang de poisson, par exemple, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que dans le poisson, il n'y a pas de shrita. Oman de Shari Haïma Ketiv. Et celui, par exemple, qui dit, non, c'est permis. Et celui, donc, qui permet le mélange de la viande de poulet avec le lait. Il dit, c'est comme celui qui permettrait le vin au nazir. Il dit, tu ne mangeras rien qui est dégoûtant, si on veut. Il dit, donc, c'est interdit tout. Il dit même ce qui a été interdit, non seulement par la Torah, mais même ce qui a été interdit par le Rabbanan. Tout est interdit. Donc on voit encore ici vraiment la force de la Tum'a, de l'impureté que amènent ces mélanges-là. Des fois on a tendance à penser que c'est des raisons hygiéniques. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est un mélange, c'est un choc, donc on ne sait pas pourquoi et comment, mais qui a une grande force d'attraction pour les forces négatives sur la personne. Pour ça qu'il faut vraiment éviter de faire tout ce mélange de lait et de viande. Et si on et de, bien sûr, respecter les 6 heures et de sûr qu'il n'y a aucun ingrédient si petit qu'il soit dans quelque chose. Bien sûr, on sait qu'il y a une loi, Batel Vichichin, c'est-à-dire si on a par exemple une hormie de viande et qu'il y a une goutte de lait ou un peu de beurre qui tombe dedans, et ça s'annule si c'est un 60e, mais ça c'est seulement bédiavat, c'est-à-dire que ce n'est pas fait par exprès. On ne peut pas le faire par exprès. Donc voir quelque chose, dire, ouais, mais c'est juste un 60e, on peut le manger, ça on n'a pas le droit de le faire. Prochainement, là,